Tu montes avec moi, chérie? Non, pas ce soir. Rudolf est probablement encore en ville. À cette heure-là? C'est courant depuis quelques mois. Je suppose qu'il a des ennuis financiers. Tiens, mais c'est sa voiture. Alors, il est rentré? Je n'aime pas rencontrer des gens qui ont des ennuis. Je te téléphone demain. Ah, j'ai aussi horreur de rentrer seul à la maison. Quand est-ce que tu vas clarifier la situation? Peut-être bientôt. Ne fonce pas, surtout. Bonsoir, Madame Diebold. Bonsoir, Maria. Mon mari est déjà rentré? Oui, mais il est reparti. Sans prendre sa voiture? Il est sur le plan d'eau. Pour faire quoi? Je lui ai demandé, vous allez encore sur le lac par ce froid? Il a dit, pourquoi pas? Vous voulez dîner? J'ai mis non, le souper non, non, merci, j'ai pris quelque chose en ville. Ah bon? J'ai aussi un mot pour vous. Vous avez un mot? C'est monsieur qui l'a écrit, il n'a pas dit pourquoi. Il est devenu complètement fou. Et il a parlé du lac. Rudolf ? Rudolf ! Il va se tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire? La police. Il faut appeler la police. Oui. Allô? Ah, Liam, c'est moi, oui. Je viens de rentrer à l'instant. Qu'est-ce que tu dis? Il se passe quoi? Oui, c'est Maria qui m'a donné la lettre. Tiens, écoute-moi ça. Je me trouve dans une situation qui est une impasse pour moi. Je vais me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut plonger? Allô? Liam, tu m'entends? Réponds-moi. Allô? Allô? Oh, oh! Il y a un bateau qui brûle sur le lac. Allô? Liam, tu es là? Tu m'entends? Marie a dit qu'il y a un bateau qui brûle sur le lac. Eh, j'arrive tout de suite. Merci. Je me trouve dans une situation qui est une impasse pour moi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'en sais rien. À quelle situation fait-il allusion? Où était ce mot? Sur ma desserte. Et qu'est-ce que tu as fait après? Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis descendue. Le bateau était parti. Vous êtes de la famille? Non, je suis la bonne de la maison. Non, alors qui est de la famille? Je suis Madame Diebold.
Où se trouve mon mari? Votre mari avait mis son bateau à l'eau. Le bateau a explosé et il a coulé presque tout de suite. Et mon mari? On ne l'a pas encore trouvé. Est-ce qu'on peut voir l'abri ou le garage? Oui, c'est évident. Tu les y conduis? Il faut que je mette mon fils au courant. Allez, allons-y. Nibbles? Quoi? Papa? De l'essence. Vraiment une drôle de méthode si on veut se suicider. Ce monsieur avait des problèmes. De quel ordre? Aucune idée. Peut-être professionnel. Et on n'a pas trouvé le cadavre? Non. Vous avez une idée de la puissance d'une bonbonne d'essence? Il est déjà là, celui-là? Monsieur Kalevski, il est venu tout de suite. Oui, ma mère. Dans le living room, elle vous attend. Merci, Maria. Je t'en prie, montre-lui la lettre. Mon père organisant sa mort. Et en raison d'affaires difficiles. Plutôt en raison de sa vie privée. Peut-être se sentait-il abandonné. Il savait que... vous étiez l'amant de ma mère? Oui, je crois. Votre mère a un amant, comme vous dites. Et votre père avait une vie double. Avec qui? Sa secrétaire, Mme Meissner. Il y a longtemps que ça dure. Ça n'est pas vrai. C'est vous qui l'avez tué. Oui, c'est vous et ma mère qui l'avez forcé à mourir. Vous savez que vous êtes ridicule. Votre père avait des millions à investir. Mais peut-être a-t-il commis des bourdes monumentales qui lui ont fait du mal. Monsieur Hefner, où en est cette entreprise? Je pense qu'un comptable en chef connaît la réponse. On vous a posé une question. Je l'ai dit au patron hier. Nous sommes presque au bord de la faillite. Boucher les trous par des tours de passe-passe marche un temps seulement. Il manque à ce jour... plus de 4 millions. Ah oui? Ils sont quelque part. Dieu seul sait où, interrogez-le. Mais personne ne m'en a parlé, je n'ai pas la main sur toutes les affaires. Et vous voulez qu'on gobe ça? Jeune homme, ici, je me contente des calculs, les entrées et les sorties. Spéculer n'est pas de mon goût. On a passé l'âge de croire au Père Noël. Sans ce suicide salvateur, il finissait ses jours en prison. Ça fait un sacré paquet de millions disparus. Ça veut dire que mon père était un magouilleur? Vous avez un autre mot? Tu as des biens qui t'appartiennent? Non. Est-ce que tu penses que... qu'il ne me reste plus rien? Cette ville-là est à toi? Non. Il ne reste à espérer qu'il avait une bonne assurance. Oui, elle est importante. Elle marche même en cas de suicide? Oui, il y a une franchise de temps, mais elle est dépassée. Alors tu garderas l'argent. Si toutefois tu le touches. Et oui, et pourquoi on lui refuserait? Parce que le cadavre est introuvable. Ça change quoi? Eh bien, il manque l'acte de décès. Mais je ne pense pas qu'on puisse l'obtenir. Je pense que l'affaire est claire. Il y a le petit mot qu'il a écrit.
Et le témoignage des gens qui ont vu l'explosion. Ah, le témoignage des gens. Nous l'avons trouvé. Salut Stéphane. Harry. Salut. Je suis allé à ton bureau, on m'a dit que tu étais là. Oui. Vous avez fini de manger? Oui. Vous avez quand même un peu de temps à m'accorder, j'ai une bonne petite histoire. Si vraiment elle est bonne, oui. Vas-y. Est-ce que vous avez entendu parler du scandale financier? La banqueroute de Dibbs. Pas du tout. Ah si, je me rappelle, c'est le gars qui s'est fait exploser sur un lac avec son bateau. Oui, c'est lui, des millions de perdus. Tu t'occupes de l'affaire? Oui, une simple affaire de suicide. Et il n'y avait qu'une difficulté, on ne retrouvait pas le cadavre. Ah tiens. Le bateau avait sauté, il ne restait pas grand-chose, que la carcasse. On a fouillé un peu partout, et on a réussi à le trouver. Une surprise en chasse une autre. Oui, mais attends, il y a bien mieux. L'homme avait de nombreuses traces de brûlures. Seulement aussi, une assez jolie plaie à la base du crâne et qui n'était pas d'une explosion. L'homme avait été assommé bien avant qu'il ne fasse exploser le rafio. C'est comme ça qu'un suicide devient un meurtre. Et c'est comme ça qu'on est dans le coup, Harry. Il avait de la famille? Oui. Une femme, Liane, environ 40 ans. Un fils, Klaus, étudiant dans les 20 ans. À part ça, personne d'autre. Et ça, c'est son petit mot? Oui. Il n'y a aucun doute. Il leur annonce qu'il va se suicider. Mmh. Et c'est son écriture? Comme dit Stéphane, aucun doute. Nous avons vérifié. Ah, autre chose. La famille sait maintenant qu'on a trouvé le cadavre. Mais on n'a pas dit qu'il avait été tué avant. Est-ce que tu as vu Madame Diebholz toi-même? Oui. Et quel genre de femme est-ce? Attirante, très charmante, intelligente. Quelle fut sa réaction devant la mort de son mari? Neutre. Si elle ressent quelques sentiments, elle le cache bien. Et le fils? Bah, complètement dans le cirage. C'est le type du gars mou et sensible. Il y avait un autre homme chez Madame Diebholz. Il m'a semblé qu'elle avait beaucoup d'amitié pour lui. Peut-être plus, sous toute réserve. Qui était-ce? Un nommé Kolevski. Il vit seul. Et il prétend avoir été prévenu par Madame Diebholz après qu'elle ait vu la lettre d'adieu. Je pense que je ne douterais pas de sa parole s'il s'agissait d'un suicide. Mais à présent qu'il s'agit d'un meurtre... Et à présent, que savent exactement ces gens? Ils savent que le mort a été trouvé. Je ne leur ai pas dit qu'il avait été tué. Je te laisse ce plaisir. Tu es trop gentil. Merci. Bonjour, Maria. Vous êtes encore là? Oui, je devais m'en aller aujourd'hui, mais Madame Diebholz m'a prié de rester encore pendant quelques temps. La police a retrouvé le corps. Bernard, tu veux venir? Oui, naturellement. Voulez-vous faire un peu de thé, Maria? Oui, tout de suite. Il l'a retrouvé? Oui, c'est une chance. Grâce à Dieu, si j'ose dire. Au fait, tu avais raison. L'assurance a refusé de verser quoi que ce soit. On se méfie. On me l'a dit très franchement, la formule est assez laconique. Pour nous, une personne n'est morte que si nous avons le certificat. Ils ne peuvent plus refuser puisqu'on a le cadavre. Et... où? Où a-t-on trouvé le cadavre? À 100 mètres derrière la bouée. L'explosion a été assez forte pour l'envoyer là-bas. Hmm. Et la police voudrait que nous passions le reconnaître. Le reconnaître? L'identification. Enfin, il est dans l'eau depuis 15 jours. Et la police a demandé que tu assistes à l'identification. Moi? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Ils n'ont pas donné de raison. J'ai le droit de m'y soustraire. Vous voulez vous défiler? Vous êtes sensible à ce point-là? Oui, sensible à ce point-là. On ne peut pas m'y forcer. Il ne vous gênait pas quand il était vivant. Ne sois pas arrogant. Je leur ai dit que tu nous accompagnerais. Allons-y. Toute la troupe est là. Bon, d'accord. Oh, une seconde. Nous allons les conduire devant le cadavre. Oui. L'un après l'autre. Je veux voir comment ils réagiront au moment de se pencher sur le corps. Ils auront des attitudes différentes. Et
Souhaitons que le meurtrier se trouve dans le tas. Bonjour. Je suis l'inspecteur principal d'Eric. Voici l'inspecteur Klein. Vos noms, s'il vous plaît? Je suis Madame Diebholz. Voici mon fils Klaus et Monsieur Kolevski. Madame Meissner, j'étais la secrétaire de Monsieur Diebholz. Vous êtes le chef comptable, Monsieur Hefner? Oui. Bien. Vous allez regarder le corps les uns après les autres. L'inspecteur Klein vous appellera à tour de rôle. Mais je serais étonné que mon rôle soit si important. Vous avez tort. Je crois qu'il y a suffisamment de gens ici pour identifier le corps, sa famille, ses proches collaborateurs. Oui, je suis entièrement d'accord, mais vous êtes un ami de la famille. Et autant que je sache, un excellent ami. Vous devez lui rendre hommage, à plus d'un titre. Eh oui, d'accord. Bon, alors, allons-y. On pourrait pas aérer un peu ici? Madame Diebholz, s'il vous plaît. Moi, pourquoi demander à tant de personnes de venir? Je pense que mon fils et moi, nous aurions suffi à le reconnaître. Pourquoi tant de monde est inconvenant? Et cela vous choque? Oui, on doit respecter la mort. Et surtout l'intimité. Je trouve que les étrangers sont de trop. Mm-hmm. Et d'après vous, qui est réellement de trop? Monsieur Kolevski? Oui, Monsieur Kolevski, par exemple. Et aussi les gens du bureau de mon mari. Les circonstances nous imposent d'être méticuleux. Par ici. Veuillez rabattre le drap sur les pieds. Avancez, Madame Diebholz. Vous obligez à regarder ce visage, Madame Diebholz, est assez inhumain. Mais je dois vous demander si ce cadavre est bien celui de votre mari. Voulez-vous avoir l'amabilité de vous approcher? Alors, Madame Diebholz. Oui. Oui, c'est mon mari. Approchez, je vous prie, Monsieur Diebholz. Monsieur Diebholz. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Excusez-moi, je n'ai jamais vu de cadavre. Qui plus est, défiguré. Ce sont des brûlures? Oui, de graves brûlures. Pardon, je ne peux plus regarder. Dites-moi si vous reconnaissez le mort, c'est bien votre père? Oui, c'est bien lui. Maintenant, je voudrais bien sortir. Bien, je rentre, mais contre mon gré. Et je vous avertis que je me renseignerai pour savoir si tout ça est légal. C'est votre droit le plus strict de nous refuser votre collaboration. Nous ne vous forçons en rien. Ouais, ne racontez pas de salade. Je sais que vous m'y obligez, à votre façon. Alors? Veuillez approcher. Quel état cet homme est-il? Le feu et l'eau. Vous auriez pu m'éviter ce spectacle.
Et maintenant? Est-ce que c'est Monsieur Diebolz? Je crois que c'est bien lui. Non, je veux dire, pour moi, il n'y a aucun doute à avoir. Je pense que ça vous suffit. Je ne demande rien d'autre. Alors je sors? Oui, sortez. Par ici. Madame Meissner, est-ce Monsieur Diebolz? Madame Meissner. Oui, c'est Rudolf Diebolz. Venez, Monsieur Hefner. C'est lui. Vous en êtes sûr? Oui, oui. Oui, il n'arrêtait pas de me dire, ayez, il faut avoir confiance en moi. Faites-moi confiance, Hefner. Est-ce que je peux m'asseoir? Naturellement. Tenez, voilà. Un verre d'eau? Non, non, merci, ça ira. Ça va s'arranger, je me sens mieux, merci. Voyez-vous, ils s'acharnent tous sur Monsieur Diebolz aujourd'hui. Il est évident que ce monsieur a fait des erreurs. Seulement, il fallait connaître notre clientèle. Il y avait une quantité de requins qui se déchiraient et qui ne devraient pas s'étonner que d'autres requins viennent les mordre. Oui, mais vous pouvez me croire, la petite friture, il restait la petite friture. Je sais que moi, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Il m'a toujours mis au-dessus du panier. Excusez-moi, Madame Diebolz, c'est messieurs de la brigade criminelle. Oui, faites-les entrer. C'est bien ce que j'ai fait, j'ai eu raison. Oui, vous avez eu raison, merci. Pourquoi viennent-ils? Je n'en sais rien. Aucune idée. Je peux savoir qui vous êtes? Maria, je suis la bonne. Il y a longtemps que vous êtes dans la maison? Ça fait 2 ans. Merci. Maria, je voudrais vous parler, si possible. Oui, naturellement. Bonjour, Madame Diebolz. Bonjour. Nous sommes venus vous faire part des résultats de l'autopsie pratiquée sur votre mari et qui viennent de nous parvenir. Votre mari ne s'est pas noyé. Il n'a pas été tué non plus par l'explosion. Votre mari avait été assommé, c'est de cela qu'il est mort. On lui a asséné un coup à la base du crâne, avec une matraque en bois. C'est vraisemblable, car dans la blessure, des traces de bois ont été retrouvées. Donc, M. Diebolz a été sûrement assassiné. Et cela bien avant que le bateau n'ait explosé. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait pris soin de laisser un mot nous prévenant de son suicide? Alors si vous avez trouvé une blessure, il se l'est fait sans doute sur le bateau. C'est impossible. L'autopsie est incontestable. Elle a été confirmée par 2 médecins légistes. Cela veut dire quoi au juste?
qui avait intérêt à ce que mon mari fût assassiné. Peut-être est-ce que vous pourriez, vous et votre fils, apporter une réponse. Nous allons tout reprendre depuis le début. Je vous écoute. C'est Kolevski qui m'a ramené à la maison ce soir-là. D'où veniez-vous? De Munich. Nous nous étions retrouvés là-bas. Quand? Vers 2 heures. Nous avions mangé ensemble et ensuite je suis allée faire des courses. Vous n'avez pas vu votre mari? Non, non. Je ne vais jamais à son bureau. Nous ne nous voyons qu'à la maison. Et fort tard parfois. Vers quelle heure êtes-vous rentrée? Vers 7 heures. Il faisait nuit, j'ai dit au revoir à monsieur Kolevski. Et Kolevski est allé où? Pardon? Et Kolevski, où est-il allé? Il est rentré chez lui. Il n'habite pas très loin. Alors, moi je suis rentrée et j'ai... Mais où est Maria? Veux-tu l'appeler? Maria! La voiture de mon mari était déjà devant la porte. J'ai demandé à Maria si mon mari était rentré et elle a dit que oui et qu'il venait de rentrer et était déjà reparti, qu'il était parti au garage. Et ensuite, elle a dit qu'il avait laissé un mot à mon intention. Le mot, d'ailleurs, que vous connaissez. Asseyez-vous. À quelle heure, monsieur Diebold, s'est-il rentré? Il est revenu vers 6 heures. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Avait-il l'air déprimé? Non, il n'a rien dit. Il était comme d'habitude, je n'ai rien remarqué de bizarre. Il m'a demandé un thé au rhum. Je lui ai fait son thé. Quand j'ai apporté le plateau, il était assis dans ce coin et il écrivait. Il écrivait? Oui. Et puis il a replié le mot, il l'a rangé dans une enveloppe et après il l'a collé. Alors il a dit, quand ma femme va revenir, vous lui remettrez cette lettre. Et il est allé au bateau? Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que je peux vous voir une minute? Oui, bien entendu. Il y a 2 ans que vous êtes dans la maison. 2 ans, n'est-ce pas? Oui. En 2 ans, on a le temps de voir bien des choses. Vous étiez heureuse ici? Ah oui, jamais je n'ai eu à me plaindre. Vous aviez, comment dire, vous aviez des contacts familiaux au sein de la maison? On était gentils avec moi. J'étais l'amie de tout le monde. Vous savez, je faisais ce qui me plaisait. Nous avons ici une belle piscine, il y a le tennis également. Et je pouvais faire du cheval aussi si je voulais. Madame Diebold me l'avait permis. Très bien, très bien, très bien. Avez-vous vu si M. Kolevski est bien reparti après avoir déposé Madame Diebold devant la maison? Vous avez bien compris ce que je voulais dire? Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Si ce monsieur est entré, ça, je n'en sais rien du tout. Peut-être que Diebold l'a rencontré. Il n'y a pas loin d'ici au hangar. Ils ont sans doute pu se croiser. Je suppose que vous le croyez, non? Ce que je voudrais bien savoir, c'est si ces deux hommes pouvaient s'entendre. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Seule cette chère Madame Diebold le sait. Pour moi, c'est sans intérêt. Oui, oui. Oui, je vois, et cette réponse devrait sûrement me suffire. Merci. Ah, monsieur Diebold, je veux vous poser une question. Pourquoi vivez-vous ailleurs qu'ici? Est-ce l'atmosphère de cette maison? Vous ne vous entendiez pas avec vos parents? Oh, non, non. J'ai déménagé parce que le trajet jusqu'à l'université était trop long. Ah, oui. Non, bien au contraire, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec mon père. Et avec votre mère? Oui, toujours excellent. Ah, oui, je vois ça. Bon, pour le moment, ce sera tout. Merci. Non, absolument pas. Je vous assure, j'ai ramené Madame Diebold et je suis revenu tout de suite chez moi. D'après l'autopsie pratiquée sur Diebold, il n'est pas mort à la suite de l'explosion de son bateau. En fait, on l'a assommé. C'est fou ce que vous dites là. On lui a cogné dessus. Ah, il ne manquait plus que ça. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? J'ai pourtant vu le corps durant l'identification. Non, vous n'en avez vu qu'une partie. Son visage, seulement le crâne, était fracturé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait été assommé. Une telle explosion peut facilement lui avoir brisé le crâne. On ne peut pas douter du rapport, monsieur Kolevski. L'autopsie a été formelle et il n'y a aucun doute possible. Alors, vous avez un cadavre sur les bras? C'est exact. Bon. Je suis incapable de comprendre ce que vous me dites.
Mais alors, le mot, il était faux? Non, il est vrai. Alors, je voudrais reposer ma question. Lorsque vous avez ramené Madame Diebols, êtes-vous entrée ou êtes-vous rentrée directement chez vous? Où avez-vous parlé quelques instants avec Diebols? Dans le hangar. Excusez-moi, mais je suis assez difficilement votre pensée. Attendez. Vous vouliez sûrement dire que moi, j'aurais certainement eu le temps de tuer Monsieur Diebols. Ah oui, bonne idée. J'aurais sans doute pu l'assommer, mettre l'essence dans le bateau. Ensuite, je l'aurais expédié avec son engin faire un tour sur le lac. Oui, bonne idée. Seulement, dites-moi donc comment j'ai fait exploser le bateau. Ah oui, avec une commande manœuvrée à distance que je gardais sur moi. J'ai demandé seulement si vous étiez rentré directement chez vous. Oui, bien sûr. Je suis arrivé chez moi au moment où le téléphone a sonné. Madame Diebols m'appelait. C'est elle qui m'a annoncé qu'elle venait de trouver le mot d'adieu de son mari. Alors elle a aperçu le bateau en flammes sur le lac. Ça vous suffit? Oui, ça a l'air. Oh non, un moment, il me vient une autre question. Vous n'avez aucune idée sur le meurtre. Aucun doute ne trouble votre pensée. En tant qu'intime, c'est assez étonnant. Oh, vous me faites trop d'honneur. Intime est un grand mot. Vous exagérez. Madame Meissner croisa les doigts comme pour faire une prière, je me souviens. J'ai répété ma question deux fois avant d'avoir une réponse claire. Et Monsieur Hefner, dans un état lamentable, n'a pas bougé. Et il a répondu n'importe quoi. Il a dit... Ouais. J'avais l'impression qu'il était aveugle. Madame Diebots avait l'air écroulé, et elle l'était. Elle resta longuement statufiée devant le corps allongé devant elle. Et elle murmura entre ses dents, « Ouais, c'est mon mari. » Et Kolevski, qu'est-ce qu'il a dit? Dans quel état cet homme est-il? Il a dit, cet homme, il ne nous a jamais donné le nom exact. Stéphane, qu'est-ce que tu as en tête? Où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait qu'ils avaient en commun une bonne raison de reconnaître le corps. Et aucun d'eux ne savait pourtant que Diebols avait été tué. Tu peux expliquer tout ça? C'est une sensation qu'on peut ne pas avoir tout de suite remarquée, mais en y pensant, quand on a bien photographié cette succession d'images, en se la remémorant image par image, par juxtaposition, comme une sorte de film que tu ferais passer et repasser au ralenti. Oui. Alors on remarque. Qu'est-ce que tu as remarqué? Je pense qu'ils étaient tous sous le choc. Choqués par l'aspect de ce cadavre. Ils étaient choqués? Non, tu veux dire surpris, oui. Surpris? Oui, surpris, c'est ça. Parce que pas un d'entre eux ne savait ce qu'il avait devant lui. Ils ne connaissaient pas ce cadavre. Ils ignoraient tout à fait qui c'était. Mais Stéphane, voyons, 5 personnes pourtant l'ont identifié. Sa femme, son fils, l'amant de madame, sa secrétaire, son ami fidèle. C'est marqué dans le procès-verbal. Ils ont tous confirmé que c'était bien le cadavre de Monsieur Diebols qui se trouvait là, à la morgue. Ils ont menti et c'est tout. Mais pourquoi l'aurait-il fait? Il faudrait qu'il y ait une raison. Nous avons tout fait afin que personne ne puisse se contredire. Ils pensaient tous que le corps de Diebols était là. Et aucun d'entre eux n'a dit devant le corps, ce n'est pas lui, c'est un autre. Pourquoi? Réfléchis un peu et repartons de zéro. On a Madame Diebols. La firme de son mari est en faillite. Et une bonne assurance vie que l'on refuse de payer car il n'y a pas de cadavre. Et d'un seul coup, il y en a un. Et en plus, cette assurance représente 1,5 million. Oui, ça donne de bonnes raisons. Le fils, lui, réalise tout de suite qu'il ne s'agit pas de son père. Le cadavre étendu est celui d'un étranger. Quelqu'un d'autre se trouvait sur le bateau. D'où la question, excusez-moi, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? De toute évidence, il cherche à gagner du temps pour pouvoir réfléchir. Si le cadavre qui est là n'est pas celui de mon père, alors qui sait? Et quel rapport peut-il y avoir avec mon père? Alors, il prend ses précautions et nous dit oui, c'est bien mon père. Et Kolevski? Kolevski. Cet individu sait que sa maîtresse a besoin d'avoir un cadavre. Harry, tu te représentes ce que ça fait, 1,5 million? La secrétaire.
Oh, pour elle, c'est une excellente nouvelle. Elle apprend brusquement que l'homme qu'elle aime et qu'elle croyait mort ne l'est pas, qu'il est en vie dans un coin quelconque, mais elle ne sait pas où il est. Elle comprend immédiatement qu'il est de son intérêt de ne pas dévoiler ce qu'elle a réalisé. Qu'est-ce que tu fais de Monsieur Hefner? Oui, il y a encore celui-là. Si, ça saute aux yeux, suis-moi bien, Harry. Un homme de son âge, sans travail, sans argent, qui s'aperçoit que ce n'est pas son patron. Il se rend compte que celui dont dépend toute son existence est en vie. Je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Et voyons, réfléchissons, qu'est-ce que Diebold se répétait tout le temps? Vous devez avoir confiance en moi parce que je tiens à vous, Hefner. Ouais. Il sait que Diebold ne le lâchera pas. Il a tout intérêt à reconnaître son patron. Il sait qu'il gardera sa place et ça malgré le chaos. Tout ça a l'air évident. Mais n'oublie pas l'alliance, la bague aussi, la montre de Diebold qui était sur le cadavre. Il a dû bougrement bien préparer sa disparition. Et qui est le cadavre? Oh. On pourrait peut-être se renseigner sur les disparitions. Quand est-ce que ça s'est passé? Le 17. J'ai la liste des disparitions qui a été établie le 19. Est-ce que c'est la seule liste? Je crois que c'est la seule qui importe. Ah. Je peux regarder, Harry? Un homme âgé de 56 ans, un serveur. Qui a fait part de cette disparition? Il est probable que c'est indiqué. Un certain Caius, serveur, ça t'intéresse? Et votre collègue, M. Caius, ce Frovald, est-ce qu'il a disparu subitement? Ah oui, il a dit, je vais faire une petite balade. Jamais je l'ai revu. Ah, vous viviez ensemble? Oui, là-haut, dans une petite chambrette. Ça coûte deux fois rien. Ah oui, car à Munich, tout est trop cher. On habitait tous les deux dans une toute petite piule. Mais maintenant, je suis seul. Nous pouvons voir? Ah oui, bien sûr. Le service touche à sa fin. Voilà, alors, je lui ai dit, où tu vas traîner encore? Il était 1h du matin, il était l'heure de se coucher. Oui, il était assis, il prenait un bain de pied dans la bassine. Il a dit, je vais faire une petite balade. Je crois que quelqu'un l'avait invité. Invité? Vous savez qui c'était? Ah, il m'a rien dit, c'est que ça le regardait. Jamais je questionnais. Je l'avais observé toute la soirée. Il n'arrêtait pas de marcher de tous les côtés. Il tournait autour de la même table d'une bande de rubans. J'ai vu qu'un de ces messieurs lui avait donné un pourboire de roi, 20 marques. Alors, vous savez que des choses comme ça, c'est rare. Moi, j'ai jamais eu autant, moi. 10 marques, oui, 10 d'un poivron qui venait les récupérer le lendemain. Oui. Oui. Quel genre de gens c'était? Oh, des gens de la haute. Alors, ça se voyait à leur allure, leur costard, leur manière. Pourriez-vous me les décrire? Un monsieur âgé, enfin plus jeune que je ne le suis. Oui, mais enfin, il se tenait droit. Hein. Mais on se rendait bien compte que c'était un monsieur et une jeune dame. Alors ça se voyait aussi que c'était une dame de la haute. Ils étaient deux, une dame et un monsieur. Oui. Ils ont invité votre collègue le soir après le service? Je suppose. Lui, il n'a rien dit de tout ça. Hein. Il a dit seulement, on m'invite ce soir à sortir, je vais aller boire un coup. Et jamais il n'est revenu? Non, au matin, il n'était pas rentré. Alors, je me suis dit qu'il avait peut-être avalé un petit coup de trop. C'était un gentil garçon. Même s'il ne disait jamais rien, c'est un bon gars, oui. C'est un gentil garçon. Oh, Alvin. Bonjour, Monsieur Diebold. Bonjour. Vous revenez nous voir? Oui. Vous avez de nouveaux témoignages? Oui. Veuillez entrer. Merci. Non, ne bougez pas.
Il faut prendre nos dispositions. Nous devons reprendre les activités. De toute façon, il faudra rouvrir un jour ou l'autre. Bonjour. 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 On dirait un conseil d'administration. Je pense qu'il y a une raison à cette petite réunion de famille. Oui, naturellement, il y a une raison. En un certain sens, nous avons tous subi des pertes. Oui, il fallait que l'on parle de la crise de l'entreprise. Il fallait qu'on s'occupe de mon avenir et de celui de M. Hefner. Oui, oui, tout cela est évident, oui. Mais en quoi cela vous intéresse, M. Kolevski ? Je suis dans l'affaire. Si je peux vous poser une question, que faites-vous ici ? Oui, vous avez parfaitement raison. Je suis venu pour vous dire que le corps que vous avez identifié tous à la morgue, vous, votre mari, vous, votre père et vous, votre patron, que ce corps n'est pas celui de Diebols, mais celui d'un certain Alvin Frovald. Alors, cela m'amène à me poser une question. Pourquoi, vous tous, sans exception, vous avez reconnu le corps ? Alors que vous saviez tous très bien que celui que vous regardiez n'était pas le bon. Vous saviez que le cadavre était celui d'un homme assassiné pour rien. Moi, je vois que ça ne vous intéresse pas. Oui, d'accord. Vous savez qu'en l'état actuel des choses, votre père est un meurtrier. Votre époux est un meurtrier. Et aussi votre patron est un meurtrier. Un meurtrier qui avait prévu sa mort et à qui il fallait un remplaçant qui puisse jouer son rôle, n'est-ce pas ? Et qui a pu réussir à en trouver un. Afin de pouvoir aller se mettre en sécurité avec quelques millions de côté. Ça, ce sera dur à prouver. Oh, ne croyez pas ça. Car Diebols a été vu dans un bar dernièrement, dans lequel Frovald travaillait. Et qui plus est, Diebols était avec une dame. Monsieur Caillouse, venez. Monsieur Caillouse, est-ce que la dame que vous avez vue est actuellement dans cette salle ? Je pense que tout s'écroule. J'espère que cette expérience vous a convaincu. Où est votre bonne ? Maria ? Mais vous voulez quoi, au juste ? Elle est partie. Il y a déjà une bonne demi-heure. Elle faisait presque partie de la famille, n'est-ce pas ? Alors, il y a sûrement une photo d'elle quelque part. Il n'y a pas de photo ? De Maria ? Oh, si, si, elle doit être sur celle de ton anniversaire, maman. Venez, monsieur Caillouse. Alors, M. Caillouse. Voilà la dame. Vous êtes sûr ? Oui. Où est-elle partie ? Aucune idée. C'est un taxi qui l'a emmenée. Quel genre de taxi ? Local ou téléphone ? Téléphone, je crois. Vous êtes en état d'arrestation sous l'inculpation de complicité de meurtre. Suivez-moi. J'ignorais ce qu'il voulait faire avec le serveur. Je vous supplie de me croire. Une dernière fois, il l'a tué à quel moment ? Je n'en sais rien. Je n'ai vu ce qui se passait que quand il a amené l'homme sur le bateau. J'étais effrayée, je lui ai demandé : « Qu'est-ce qui se passe ?
Il est mort? Il est vivant, il ne servirait à rien. Aide-moi. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Pourquoi est-ce que tu l'as tué? Allez, pose pas de questions, idiote. Tiens, la clé du coffre. Zentralbank, Raiffeisenbank. Prends-les. Dites-moi ce qu'il fallait que je fasse. Je n'avais pas le choix. J'avais peur. Peur qu'il me tue aussi. Et surtout, n'oublie pas. Dans une semaine. Donnez-moi ça. Où est-ce que vous alliez? Écoutez, il est le seul qui ait une chance de vous sortir de là. Vous saisissez bien, il est le seul qui ait une chance de vous disculper, sinon vous allez pourrir en prison. Alors, vous le voyez où? C'est à Zurich que vous aviez rendez-vous? Oui. Excusez-nous. Oui. Nous sommes de la police. Comment vous vous appelez? Hartmann. Eric Hartmann. Votre passeport, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Pourquoi suis-je contrôlé? Oh, contrôle de routine. Nous, on est de l'école de police. Alors, on fait ce qu'on nous dit de faire, on contrôle. On se dit, ah, celui-là, il n'a pas de problème, non? Ou on se dit, celui-là, il a quelque chose de louche pour l'examen. Alors, je perds mon temps pour vous, pour votre examen. Oui, monsieur Diebols, vous êtes arrêté. Un moment, Stéphane, ils l'ont piqué. C'est parfait. Tiens, prends-les. Merci. Allô, inspecteur Derrick. On vous a coincé votre bonhomme à la sortie. Oui, et sans problème, c'était du gâteau. Allô? Vous êtes encore là? Oui, je suis là. Salut.